Vivre dans l'esprit l'excellence. Vivre dans l'esprit de l'excellence. Tu me dis un peu. Vivre dans l'esprit de l'excellence. Vivre dans l'esprit de l'excellence. Et je disais, Dieu est sur le point pour toi et pour moi, pour nous tous qui sommes là, de nous faire entrer dans une dimension plus grande, dans l'excellence. Vous savez pourquoi Dieu envoie sa parole chaque fois qu'il veut nous faire passer dans une autre dimension? Quelqu'un dit, mais si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas lui-même? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas pour nous? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas directement? Il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne change pas les choses? Avec sa toute-puissance, pourquoi est-ce que Dieu ne se permet pas de se présenter devant nous et de transformer les choses en un seul coup? Il est Dieu, il peut tout. La Bible dit, il est le Dieu de toute chair. Et qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu? Pourquoi est-ce que le Dieu tout-puissant ne se permet pas de nous accorder directement les choses? Mais pourquoi est-ce qu'il veut forcément envoyer sa parole? Je m'interrogeais, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne viens pas dans toute ta gloire? Tu n'agis pas tout d'un coup, mais pourquoi est-ce que tu te fais représenter par ta parole? Et l'Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit, ma parole, c'est moi. Et la parole de Dieu, c'est tout de Dieu. C'est la substance complète de Dieu qui peut se présenter aux hommes sans pour autant les détruire. Vous savez, lorsque Dieu se présente, alors, s'il se présente dans toute sa gloire et s'il se présente tel qu'il est, l'homme ne peut supporter la gloire de Dieu. Amen. L'homme ne peut supporter la présence et la glorieuse présence de Dieu. La gloire de Dieu est insupportable. Il n'y a aucun homme de Dieu, un homme sur la terre qui puisse rencontrer la gloire de Dieu et la supporter. Et Dieu trouve une alternative, Dieu trouve un moyen par lequel il va envoyer. Il va se représenter dans toute sa complétude sans pour autant faire du mal à l'homme. Et il trouve le moyen qu'il trouve, c'est sa parole. Et la Bible dit, après avoir parlé par plusieurs moyens, Dieu a cette fois-ci parlé par le Fils, qui est la parole faite chair. Donc, la plupart du temps, lorsque Dieu veut nous faire shifter, lorsque Dieu veut nous faire passer à une dimension supérieure, il ne vient pas lui-même, il se fait représenter par sa parole faite chair. Dieu confine sa parole dans une chair. Et il se présente à nous. C'est pourquoi j'ai envie de te dire ici ce soir, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Si tu m'as vu, tu as vu la parole de Dieu. Si tu m'entends ce soir, tu es en train d'entendre Dieu. Et j'ai envie même de dire que si Jésus était ici ce soir, il n'allait pas donner un autre message. Parce que Dieu a la volonté de te faire vivre dans l'excellence. C'est pourquoi il envoie la parole. Et lorsque la parole vient te parler de l'excellence, Dieu est sur le point ici de te faire shifter. Vous savez, il y a plusieurs types d'impartations, mais parmi les grandes impartations qu'on puisse recevoir, c'est ce qu'on appelle l'impartation par l'information. Lorsque Dieu veut te faire shifter, il te donne l'information qu'il faut. L'information en elle seule, elle contient toute la substance qu'il faut pour te faire passer d'un niveau à un autre. On n'est pas obligé de mentionner ton nom. Je ne suis même pas obligé de te localiser par l'esprit de la prophétie, mais si seulement tu es au son de ma voix et que tu reçois la parole avec joie, je crois que l'esprit qui sera communiqué est déjà en lui-même capable de te faire vivre dans l'excellence. Amen. Je vois quelqu'un sortir d'ici avec une dose d'excellence. Amen. Je vois quelqu'un sortir d'ici et vivre chaque jour de sa vie dans l'excellence au nom de Jésus. Amen. Il disait, je vois Dieu te faire grâce ce soir par la vertu de sa puissance au nom de Jésus. Amen. Dieu envoie sa parole lorsqu'il veut nous faire du bien et je crois qu'il va le faire ce soir. On va lire un passage. On va lire un passage, notre passage de base et après ça, on va couler librement. Est-ce qu'on peut lire Daniel 5, verset 11? Daniel 5 à partir du verset 11. Daniel 5 à partir du verset 11. Les roues frappées de casse. Les roues éplehies de nos charita clouvades. Radele radela ouske itetaf. La rousque préidevas. Les roues d'achatali de clahatous et veras. Maroute qui de vahas qui te clouvariavas. Radula atelekousa. Ali katoune braas. In the name of Jesus Christ. Même Dieu les esprits de prophète. Il a écrit Daniel 5, verset 11. D'accord? Il a écrit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi de ton père, le roi ton père, pardon, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des Chaldéens et des devins. Verset 12, il est écrit, parce qu'on trouva chez lui, donc chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Quelqu'un écrit avec moi un esprit supérieur. On trouva chez lui un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Et il dit que Daniel soit donc appelé et il donnera
l'explication. Amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux avoir des retours audio ou des retours pour que je sache qu'on est ensemble? Daniel 11, verset 12. Donc, le roi était face à une difficulté et il a eu besoin de convoquer quelqu'un qui avait la capacité de lui donner l'explication qu'il fallait. Et la Bible dit qu'ils ont cherché et ils n'ont trouvé personne. Et à la dernière minute, on mentionne le nom de Daniel. On rappelle l'historique de Daniel. On rappelle un peu que dans les royaumes qui ont précédé, il avait déjà eu à faire ses preuves. Oh, au nom de Jésus, je te vois faire des preuves sur plusieurs générations. Amen. Je vois ta renommée se répandre de génération en génération. La Bible dit que les rois se succédaient, mais la renommée de Daniel était la même. Les royaumes se succédaient, les situations s'enchaînaient, mais Daniel était toujours celui. Il était venu l'agresser celui-là. C'est le gars qui vient l'agresser. C'est la DJ. La roue à ce qu'il fait. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Est-ce qu'on m'entend? Les supra adil idefaas, qui les usa praha idevedouche. Et la Bible dit, on disait de Daniel que depuis l'époque de son prédécesseur, donc du roi, dont on parle du roi ici, on dit on trouva chez lui des lumières. J'aime cette expression. On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Au verset 12, on dit Daniel, on trouva chez Daniel un esprit supérieur. Wow. Okay. Un esprit supérieur et la faculté. Un esprit supérieur de la connaissance et la faculté d'interpréter les songes, les rêves, etc., etc. Et le thème, c'est vivre dans l'esprit de l'excellence. Vivre dans l'esprit de l'excellence. Je veux ce soir qu'on puisse poser quelques bases. Avant de couler librement, je veux qu'on puisse poser quelques bases qui vont nous permettre de couler librement. Et la première base, quand on veut parler de l'excellence, il faut savoir, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'excellence, c'est une faculté premièrement qui revient à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est excellent. Il n'y a que Dieu qui a qui possède la plénitude de l'excellence. D'accord? La Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu. Donc, lorsque vous regardez quelque part et que vous voyez l'excellence, lorsque vous regardez quelque part, vous voyez la prééminence, lorsque vous voyez quelque part l'esprit supérieur, la première interprétation qu'il faut faire, c'est que cela vient de Dieu. On ne peut attribuer l'excellence à un homme. Je le répète, on ne peut attribuer l'excellence à un homme. Okay. L'excellence provient premièrement de Dieu. D'accord? La Bible dit, il fait toutes choses à merveille. Et lorsque Dieu a fini de créer, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'il a fait la création, lorsqu'il a fini de façonner les choses par sa prescience et par sa sagesse, il a lui-même regardé et il a dit, cela était bon. Merci. Donc, Dieu a apprécié sa création. En fait, il a remarqué qu'il y avait une touche d'excellence derrière les choses qu'il a faites. Et c'est à cela qu'on reconnaît Dieu. On reconnaît Dieu par la touche d'excellence qu'il s'est apportée derrière chaque chose qui entre en contact avec lui. Écoute-moi, tout ce qui entre en contact avec Dieu finit par recevoir la marque de l'excellence. Okay. Je répète, tout ce qui entre en contact avec Dieu finit par recevoir la marque de l'excellence. Je vais le dire autrement pour que tu comprennes. Écoute-moi, si on considère Dieu comme un artiste, alors la signature que Dieu laisse derrière chacun des tableaux qu'il peint, c'est l'excellence. Come on. Tout ce que Dieu a fait était bon. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu a fini de peindre le tableau de la création, il a laissé une signature. Et la marque à laquelle on pouvait reconnaître que c'était Dieu, c'était l'excellence qui accompagnait l'œuvre qu'il avait faite. La preuve que Dieu est passé quelque part, c'est la touche d'excellence qui est laissée sur cette chose. La preuve que Dieu est rentré en contact avec quelque chose, c'est la touche d'excellence qui accompagne cette chose. C'est pourquoi j'ai envie d'anticiper pour te dire ceci. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, alors il y a une seule chose à laquelle tu es prédestiné. Et c'est la pire des choses que je puisse te souhaiter. J'ai envie de te maudire ce soir et de te dire, je te maudis, vis dans l'excellence. J'ai envie de te maudire et de te dire vis dans l'excellence. J'ai envie même de t'insulter et de te dire vis dans l'excellence au nom de Jésus. Parce que la preuve que tu as été en contact avec le Dieu des cieux, c'est que tu marches dans l'excellence. C'est que tu vis dans l'excellence.
Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut reconnaître que Dieu a cassé quelque part. Dieu a touché quelque part. Okay. Waouh, on regardait Jésus, on disait, qui est cet homme à qui même le vent obéit? Et on dit, il fait toutes choses à merveille. L'excellence est la marque de Dieu. C'est la touche de Dieu. C'est le sceau de Dieu qui vient sceller une chose. Vous savez, le moyen d'apprécier une chose sur la terre ici, le moyen de voir que Dieu y est passé, c'est de voir la touche de l'excellence. La touche de l'excellence. Et Dieu a pris 7 jours. La Bible dit, le chiffre 7, on interprète comme le chiffre de la perfection. Donc, ça veut dire, il a pris 7 jours pour créer les choses. Et j'ai demandé une fois à Dieu, j'ai dit au Saint-Esprit, mais on dit que le chiffre 7, c'est la perfection. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc, le chiffre 6 est attribué à l'homme et le chiffre 7 est attribué à Dieu. Et si vous lisez quelque part, il est dit que Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Quelque part, d'autres ont dit qu'il a fait de l'homme, il nous a fait de peu inférieur à lui. Okay. Hein? Il nous a fait de peu inférieur à lui. Je disais au Saint-Esprit, j'ai dit Saint-Esprit, tu nous as fait de peu inférieur à toi. Mais tu nous as fait le 6e jour. Mais le chiffre 6 est attribué à l'homme et le chiffre 7 est attribué à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le chiffre 7 et pourquoi on a le chiffre 6? Il m'a dit ceci, la chose qui manque pour pouvoir entrer dans l'étape de perfection, c'est le repos. Parce que Dieu a tout fait. Et il a tout fait jusqu'au moment où il a créé l'homme. Il a donné à l'homme d'avoir le même droit que lui sur tout ce qu'il a créé. Donc Dieu a donné à l'homme la domination. La seule chose qui manquait à l'homme, c'était le repos. Ok. La capacité d'entrer dans le repos, de se reposer de ce qu'il a fait. C'est cette touche-là qui est venue compléter le chiffre 6 pour donner le 7 qui est la perfection et l'excellence. Donc, quelque part, lorsqu'on va vers l'excellence, il y a l'étape où on travaille, mais il y a la capacité de se reposer de son travail. Ok. C'est-à-dire la capacité de vivre dans l'excellence tout en étant tout en ne faisant pas d'effort. Est-ce que je me fais comprendre? La capacité de vivre dans l'excellence sans faire d'effort. On reconnaît la perfection comme ça. On reconnaît que Dieu est quelque part comme ça. Il y a l'étape où on domine, il y a l'étape où on a la prééminence. Mais on atteint la complétude de l'excellence lorsqu'on arrive à travailler sans travailler. Come on, c'est fou. J'ai envie d'anticiper en te disant ceci. Les plus grands exploits que tu feras sur la terre, tu ne les feras pas par toi-même. Si tu crois que les plus grandes choses que tu vas accomplir, tu vas les accomplir par ta force et par ta puissance, alors tu vas travailler avec beaucoup de force, mais tu ne vas pas atteindre la complétude de l'excellence que Dieu veut pour toi. Les roues douces qui prendra déclare. Il est possible de vivre de grandes choses sur la terre. Il est possible de vivre dans l'excellence. Il est possible de manifester l'esprit de l'excellence sur la terre. Mais j'anticipe pour te dire ceci ce soir. Et je veux que ce soit posé comme une base. Les plus grandes choses que tu vas accomplir sur la terre, tu ne les feras que si tu ne comptes pas sur tes propres forces. Okay. Ta capacité à te reposer et à laisser Dieu travailler détermine ta capacité à vivre dans l'excellence. La brande qui fait. Amen. Adiatose. Come on. Tu vas faire tes efforts, ça va marcher. Mais tu seras limité si tu ne sais pas laisser un moment Dieu prendre le relais. Parce que pour atteindre le chiffre de la perfection, il faut ajouter à tout le travail qui a été fait pendant les 6 jours, le repos. Ok. Et je veux te dire ceci ce soir. Tu ne pourras pas vivre dans la complétude de l'excellence si tu ne laisses pas Dieu le faire au travers de toi. C'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'il n'y a que Dieu qui est excellent. Et il faudrait que tu comprennes que ta capacité à vivre dans l'excellence dépend de ta connexion avec le Saint-Esprit. Dépend de ta connexion avec Dieu. En fait, la manière dont tu vas apprendre, excusez-moi, le plus tu vas laisser Dieu travailler à l'intérieur de toi, le plus tu vas vivre dans l'esprit de l'excellence. Ok. Le plus ça ne va dépendre de toi. Le plus tu vas vivre dans l'excellence. Et le plus ça va dépendre de toi, le moins tu pourras vivre dans l'excellence. Si quelqu'un me comprend. Yes. La clé pour vivre dans l'excellence, c'est de laisser Dieu s'exprimer au travers de nous. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous donner de l'excellence. Il n'y a que lui qui a excellence, j'ai envie de dire. Mais ta capacité à entrer dans le repos, à laisser Dieu faire au travers de toi. Que ce soit notre base ce soir. Que ce soit notre base ce soir. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Donc, il parle de l'excellence. Il dit, mais non pas moi. J'aime ça.
Donc, il est en train de dire qu'il a travaillé, même au donné, il s'est reposé. D'accord. Et lorsqu'il s'est reposé, quelque chose d'autre a travaillé pour lui. Et la chose qui a travaillé lorsqu'il s'est reposé, c'est la grâce. Yes. Il dit non pas moi, mais la grâce qui est en moi. Okay. Il y a un truc en toi qu'on appelle la grâce. La grâce ne s'exprime pas lorsque tu t'exprimes. Mm-hmm. Mm-hmm. Lorsque tu peux fournir des efforts, Dieu ne travaille pas. Mais lorsqu'à un certain moment, tu sais te reposer, lorsqu'à un certain moment, tu sais laisser Dieu travailler, la grâce peut s'exprimer. Et il dit ceci, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est lorsque tu es faible que Dieu peut travailler librement. Oh, j'ai envie de te dire ceci ce soir. Dieu va te faire vivre dans l'excellence. Amen. Mais il a besoin de quelque chose ce soir. Il a besoin que tu le laisses faire. Okay. Il a besoin que tu le laisses faire. Oui, il y a des choses que tu vas faire. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a un minimum à faire. Je vais te l'enseigner ce soir. Mais je veux que par-dessus tout, tu retiennes que ça ne sera ni par ta force, ni par ta volonté, ni par tes efforts, mais c'est par la grâce de Dieu que tu pourras vivre dans l'excellence. Lorsqu'on lit l'histoire de Daniel, on comprend que tout ce qu'il a vécu, il ne l'a pas vécu parce qu'il était capable. Mm-hmm. Daniel a dit ceci lorsqu'il s'est présenté devant le roi. Il a dit au roi, ce n'est pas que j'ai une sagesse élevée. Les roues pro DVAs. Il dit au roi, ce n'est pas que j'ai une sagesse élevée. Ce n'est pas que je suis plus grand que les autres. C'est parce que la réponse doit être donnée. Et j'en reviens à la troisième base qu'il faut poser. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Je vois un commentaire par rapport au micro. Est-ce qu'on m'entend bien? Les supra adivelos qui veut as. Daniel dit, ce n'est pas parce que je suis plus grand. Ce n'est pas parce que je fais beaucoup d'efforts. Il dit non. C'est parce qu'il faut que la réponse soit donnée. Donc, il y a un besoin que Dieu veut atteindre ici sur la terre pour lequel il te donne l'excellence. Et Daniel a dit ceci. Il a dit, c'est pour que la réponse soit donnée. C'est parce qu'il faut que la réponse soit donnée au monde. C'est parce que le monde a besoin de voir quelque chose. C'est pourquoi Dieu veut que tu vives dans l'excellence. Il dit, le monde attend avec un ardent désir. Le monde soupire après ta révélation. Mm-hmm. Donc, le monde a besoin de voir quelque chose qui va le contraindre à croire en ton Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu vives dans l'esprit de l'excellence. Dieu ne le fait pas pour ta gloire. Dieu ne le fait pas parce que tu es capable. Il le fait parce qu'il y a un besoin. Il le fait parce qu'il veut prendre sa gloire. Wow. Dieu veut prendre sa gloire. Dis avec moi, Dieu veut prendre sa gloire derrière l'excellence. Pourquoi Dieu veut que tu vives dans l'excellence? Dieu veut prendre sa gloire. Pourquoi Dieu veut que tu manifestes l'excellence? Dieu veut prendre sa gloire. Remarquez bien, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Daniel, toutes les fois où Daniel intervenait, toutes les fois où Daniel laissait ses traces, toutes les fois où Daniel exposait sa connaissance et qu'il arrivait à trouver la solution, la Bible dit que le roi s'inclinait devant Daniel et devant son Dieu. Comment est-ce que Dieu prend sa gloire ici sur la terre? Dieu prend sa gloire par le retour qu'on fait après avoir exprimé son excellence sur toi. Ok. Lorsque Dieu te fait monter, lorsque Dieu te fait grandir, Dieu te fait faire des exploits, on va citer le nom de ton Dieu. Lorsqu'on cite le nom de ton Dieu, Dieu prend sa gloire. Lorsqu'on te demandera, mais par quelle force tu fais cela, c'est surnaturel. On n'arrive pas à comprendre. Mais d'où tu cette énergie pour faire ces choses? Tu diras, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce qui est en moi. Ce n'est pas moi, c'est le Dieu qui est en moi. Et lorsque tu dis, ce n'est pas moi, c'est Dieu, tu redonnes ainsi la gloire à Dieu. Et c'est comme ça que la gloire revient au Seigneur. Yes. Lorsqu'on dit que la gloire revient, ça veut dire que la gloire a été donnée. Donc, Dieu donne délibérément sa gloire aux hommes. Et j'ai envie de te dire que Dieu veut mettre sa gloire sur toi. Amen. J'ai envie de te dire que Dieu va mettre sa gloire sur toi. Amen. J'ai envie de te dire ce soir, Dieu va mettre sa gloire sur toi. Amen. Mais il met sa gloire sur toi pour que la gloire lui revienne. C'est pourquoi les 24 vieillards, en homme sage et averti, lorsqu'ils reçoivent la couronne sur les têtes, ils enlèvent la couronne et la déposent au pied du maître. Parce que la gloire n'est pas faite pour être portée, okay, ni pour être supportée. Okay. Come on. Je veux que ce soit les bases ce soir. Pour ne pas que tu reçois l'esprit de l'excellence et que cela te détruise. La gloire n'est pas faite pour être portée ni supportée. La seule personne à supporter la gloire, c'est Dieu. D'accord. La seule personne à porter la gloire, c'est Dieu. Donc lorsque Dieu met sur toi sa gloire, il te la donne de façon provisoire pour que tu puisses la lui rendre en retour. D'accord. Parole est Dieu. Dieu n'est pas gêné de te donner. Mais il ne te donne pas pour que tu gardes. Il te donne pour que tu lui rendes la gloire. En fait, Dieu veut exprimer son excellence sur toi. Dieu veut que lorsqu'on te voit, on dise que tu es fort. Oui, toi, tu es fort. Dieu veut qu'on dise que toi, tu es excellent. Pour que à la fin, toi, tu lui donnes ensuite l'excellence que tu as reçue des hommes. Et qu'à la fin, la gloire lui revienne. Waouh. Nebuchadnezzar, le roi des rois, se prosterne devant Daniel et dit, ton Dieu est grand.
À partir de ce soir, on va respecter ton Dieu. À partir de ce jour, on va honorer ton Dieu. On honorait Daniel, on honorait son Dieu. Voici la raison pour laquelle Dieu veut que tu opères dans l'esprit de l'excellence. Pour que tu reçoives la gloire. Lorsque Dieu attache à son nom ton nom, et qu'il élève ton nom, il élève aussi son nom. Regardez comment Dieu est stratégique. Il attache à ton nom son nom. Si tu t'appelles par exemple Loïs, il t'appelle Loïs Jésus. Comme ça, quand on élève Loïs, on élève aussi Jésus. Ok. Dieu veut que tu vives de l'excellence. Mais il veut le faire pour sa gloire. Amen. Si ses bases sont pour toi bien comprises, on va monter. Est-ce qu'on peut monter simplement? On peut monter. Les roues se prennent, il déclare. Marou de clé de Vahas. Gedouzi itakanous qui prennent, il devas. Gleradi château vers il devas. Je disais, parce que l'excellence appartient à Dieu, le seul moyen de pouvoir vivre pleinement de l'excellence, c'est de rester attaché à Dieu. C'est de rester connecté au Saint-Esprit, c'est de rester attaché à Dieu. De même que là, la branche ne peut porter de fruits si elle n'est attachée au tronc. Il est impossible de vivre les bénéfices de Dieu sans être attaché à lui. Donc, ta capacité de vivre pleinement dans l'excellence, j'aime l'expression « vivre ». On n'a pas dit « manifester une fois et puis quitter là ». On dit « vivre », donc ça demande de rester continuellement dans l'excellence. Ta capacité à vivre de façon continuelle et perpétuelle dans l'excellence dépend de ton attachement à Christ. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. Et ça va nous permettre de couler plus tard. Tous les exploits qu'on peut se permettre d'avoir et de faire sur la terre sont possibles, en fait, dépendent de notre attachement à Dieu. Dépendent de notre connexion à Christ. Je vais expliquer, vous allez comprendre. Mais la Bible dit que Dieu nous a bénis. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez où Dieu a localisé les bénédictions? Il les a localisées non seulement dans les lieux célestes, mais en Christ. Que tu peux tout avoir, tout. Okay. Il dit, on lui vous avez tout pleinement. En fait, on peut tout avoir, on peut tout expérimenter, tout manifester, à condition de se trouver dans les lieux célestes en Christ. À condition d'être attaché à la personne de Christ. La chose que j'aime avec le mystère de Christ, c'est que Dieu a tout donné à Christ. La Bible dit, en lui a habité la plénitude, la divinité. Donc, Dieu a confiné tout ce qu'il a de meilleur, que ce soit l'excellence, que ce soit la prééminence, tout ce que tu veux. Il a confiné cela en la personne de Dieu. En sorte qu'on ne peut avoir quelque chose si on n'est pas en Christ. Et on ne peut vivre de façon constante dans quelque chose si on ne demeure pas en Christ. Comprenez très bien cette base. Tu ne peux pas avoir et tu ne peux pas vivre dans l'excellence de façon continuelle et perpétuelle si tu ne restes pas attaché à l'arbre qui est Jésus. Et je veux t'encourager ce soir à attraper ton Jésus comme si tu tenais de l'or et à ne pas le laisser. Parce que ce n'est qu'avec Dieu que nous faisons des exploits. Ce n'est qu'avec Dieu que nous faisons des exploits. Ce n'est qu'avec lui qu'on peut faire des exploits. Ce n'est qu'avec. En fait, ta capacité à collaborer avec l'Esprit de Dieu te permet de vivre dans l'excellence et dans la prééminence. Est-ce que quelqu'un comprend cela simplement? Yes. Je vois Dieu le faire pour toi, au nom de Jésus. Amen. Je vois Dieu te donner cela, au nom de Jésus. Amen. Oh, que rien ne puisse te déraciner, que rien ne puisse te détacher de Jésus. Amen. C'est pourquoi les premières pièces qui viendront comme pour vous couper de la présence de Dieu. Amen. Bienvenue. Que rien ne vous coupe de la présence de Dieu. Je veux nous présenter ici trois bases. Je vais nous présenter une base lorsqu'on veut vivre dans l'excellence et dans la prééminence. Vous savez, il est dit de Daniel qu'on trouvait en lui des lumières. J'aime cette expression, on trouvait en Daniel des lumières. Pourquoi? Parce que la lumière ici, ça représente la connaissance. Vous voyez? Et l'esprit supérieur dont on parlait ici, c'était simplement la quantité de lumière qu'il avait en lui. L'esprit supérieur dont on parle ici, c'était la quantité de lumière qu'il avait en lui. Okay. Ta capacité à vivre dans l'excellence dépend de combien il y a la lumière à l'intérieur de toi. Ta capacité à vivre dans l'excellence dépend de combien de quantité de lumière tu as à l'intérieur de toi. Je répète, ta capacité à exprimer l'excellence ici sur la terre dépend de la quantité de lumière que tu as à l'intérieur de toi. Ce qui caractérise les grands, les plus grands, les plus excellents, les plus supérieurs, ce n'est pas leur argent, c'est la lumière qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ce qui faisait de Daniel le plus grand, le plus fort, le plus excellent,
C'était la lumière. La lumière qu'il avait à l'intérieur de lui. Et j'ai posé la question au Saint-Esprit. Il m'a dit, le temps de la révélation des fils de lumière. En fait, c'est le temps de l'illumination. Ta capacité à vivre dans l'excellence sur la terre dépend de la quantité de lumière que tu as à l'intérieur de toi. Je vais te dire comment est-ce qu'on peut faire pour être illuminé par le Saint-Esprit. Mais je veux d'abord poser une base. La base, j'ai dit on a besoin. Il nous demande, je vais vous le dire, et le reste dépend de la grâce de Dieu. Le minimum que tu peux faire pour vivre dans l'esprit de l'excellence, le minimum, la seule chose que tu peux faire, c'est la discipline. C'est de décider d'être discipliné. Quelqu'un peut écrire avec moi la discipline. La discipline. Le minimum que tu peux faire, la seule chose que tu peux faire, c'est la discipline. Quand vous lisez le livre de Daniel, vous allez remarquer que c'est la seule fois où on mentionne Daniel fait quelque chose. Daniel a juste fait cela. La Bible dit, Daniel, tu peux trouver ça pour moi, Daniel 1, verset 8. La Bible dit, Daniel résolu de ne pas. En fait, la discipline, c'est cela, c'est de prendre la décision de ne pas arrêter. Dieu veut que tu vives dans l'excellence. Mais si je ne te parle pas de la discipline, tu vas recevoir l'excellence, mais tu ne pourras pas la maintenir et la supporter pour plusieurs temps. Vous voyez, le problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est qu'on sait recevoir, mais on ne sait pas maintenir. On sait recevoir, mais on ne sait pas maintenir. Ce qui fait de Dieu ce grand Dieu, c'est qu'il est constant. Vous voyez, Dieu est un Dieu de constance. C'est bien de recevoir l'esprit de l'excellence, mais c'est surtout bien de maintenir cette constance. C'est surtout bien de maintenir cette constance. Daniel, verset 8, l'a décrit. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont buvait le roi. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Simplement. La discipline te permet de maintenir l'esprit de l'excellence que tu reçois de Dieu. Okay. Quand vous lisez les versets précédents, vous allez remarquer que Daniel a reçu la Bible. Dieu accorda à Daniel. Donc, Dieu lui a donné. Mais la chose qu'il a faite pour se maintenir dans cette dimension d'excellence de façon constante tous les jours de sa vie, c'est quoi? C'était d'être discipliné. Et je le dis parce que c'est aussi ça qui peut te disqualifier. Va te faire perdre la grâce. Moi, la discipline va te faire vivre la grâce, mais de façon ponctuelle. Alors que la discipline te permet de vivre dans la grâce de façon continuelle et de façon perpétuelle. Le moyen de rester constant dans l'esprit de l'excellence, c'est d'être une personne disciplinée. Et il y a trois niveaux de discipline. Trois niveaux de discipline. Le premier niveau de discipline, c'est la discipline du corps, qu'on appelle la consécration. D'accord? Je vais passer très, très rapidement sur ça. Le premier niveau de discipline, c'est la consécration. La discipline du corps, la consécration. D'accord? La Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi. Donc, il est arrivé à l'étape de comprendre que je suis le temple de l'esprit et n'importe qui, n'importe quoi n'entrera pas à l'intérieur de moi. C'est l'une des plus grandes décisions que tu dois prendre dans ta vie si tu veux vivre dans l'expérience. Et je dis, la discipline, ce n'est pas d'abord la décision de faire. Ce n'est pas ta décision d'étudier. Ce n'est pas ta décision de bosser beaucoup, non. C'est d'abord la décision de ne pas. La discipline, c'est ça. C'est la décision de ne pas. Okay. La décision de ne pas arrêter. La décision de ne pas se souiller. La décision de ne pas se mêler aux mauvaises choses. On a cherché Daniel, on ne l'a pas trouvé. On a voulu le mêler par plusieurs moyens. On n'a pas pu le toucher parce qu'il était discipliné. Il était focus. Et il est mentionné même dans le chapitre 6, si je ne me trompe pas, qu'on cherchait Daniel par tous les moyens, on n'a pas trouvé. Donc, on le cherchait maintenant. On cherchait maintenant un moyen dans la loi de son Dieu. Un moyen dans la loi de son Dieu. Et il est précisé que Daniel, comme d'habitude, se mettait dans la présence de Dieu et il continuait de prier. Pour dire que ce qui faisait la force de Daniel, c'était la discipline. Et le premier niveau de la discipline, c'est quoi? C'est la consécration. La capacité à dédier son corps à Dieu. Dieu peut te donner l'excellence. C'est quelque chose d'exceptionnel, mais il peut te l'accorder si seulement tu décides d'être toi-même une personne exceptionnelle. Quelqu'un dit avec moi, je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Je suis consacré. Je suis consacré. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu décides de faire de ton corps le temple de l'Esprit. Il dit, offrez vos corps. Si tu décides d'offrir ton corps à Dieu, alors il pourra te donner des choses précieuses. On donne des choses précieuses aux personnes précieuses. Yes. La consécration, la discipline du corps. Le deuxième niveau, c'est ce que j'appelle la conversion ou la sanctification, la discipline de l'âme. C'est le processus par lequel tu décides de changer ton intelligence. Okay. Il dit, ne vous conformez pas. Donc, ne pas se conformer. Donc, Daniel décide de ne pas se souiller, mais il décide d'être transformé.
par le renouvellement de l'intelligence. Donc, quand tu décides de ne pas faire, décide aussi de faire. OK. Quand tu décides de ne pas te souiller, décide aussi maintenant d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. D'accord. C'est ce que j'appelle la conversion. Changer sa manière de voir les choses. Vous savez, la dimension de l'excellence est accessible d'abord par la pensée. D'accord? Dieu ne pourra pas faire au-delà de ce que tu penses être capable de faire. Mm-hmm. Donc, la plupart du temps, lorsque Dieu veut t'envoyer dans une dimension, il envoie d'abord ta pensée là-bas. OK. Et après, tant que le diable veut te maintenir dans une dimension, il envoie ta pensée dans la bassesse, dans la faiblesse. Si tu crois que tu es faible, tu vas échouer. Si tu crois que tu as un échec, tu vas rester dans l'échec. Mais quand tu as une mentalité de vainqueur, quand tu sais qui tu es, quand ta mentalité est renouvelée, quand ton intelligence est renouvelée, tu commences à te qualifier pour vivre dans l'excellence. Okay. Et la plupart du temps, lorsque Dieu veut te faire vivre dans une dimension supérieure, il envoie d'abord ta pensée là-bas. Il change ta manière de voir les choses. Il renouvelle ton intelligence. Il renouvelle ton intelligence. Et c'est l'une des disciplines que tu dois apprendre à avoir. Exposer ta pensée à la parole de Dieu. Exposer ta pensée aux vérités de Dieu. Dieu veut que tu vives dans l'excellence. Mais le diable va vouloir te faire croire que tu es un échec. La Bible dit, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Donc, il y a des circonstances qui vont se présenter à toi, qui vont te faire croire que tu n'as pas le droit à l'excellence. Mais tu dois te plonger dans la parole de Dieu. Tu dois te plonger dans la vérité de Dieu. Amen. Consacrer ton âme. T'exposer aux vérités qui vont te permettre d'être la chose à laquelle Dieu t'a prédestiné. Mm-hmm. Le changement de mentalité. C'est une étape très importante lorsqu'on veut grandir, lorsqu'on veut vivre des choses extraordinaires. Changer sa manière de voir. Vous savez, rien n'est possible. Rien n'est impossible à quelqu'un qui pense grand, qui rêve grand. Rien ne peut te persuader que tu es petit si tu te vois grand. OK. Et je veux que tu te rappelles de cela, que celui qui est en moi, wow, il dit celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand. Il dit ceux qui sont avec moi et ceux qui sont autour de moi sont plus grands et en plus grand nombre que ceux qui sont contre moi. Quand tu comprends cela, tu comprends que tu es une personne exceptionnelle. Tu comprends que tu es prédestiné à l'excellence. Tu t'exposes continuellement aux vérités de la parole de Dieu qui vont te permettre de vivre l'excellence à laquelle tu aspires. Et la parole de Dieu nous aide dans cela. La dernière discipline que tu dois avoir, c'est ce que j'appelle la discipline de l'esprit. Quelqu'un qui est avec moi, la discipline de l'esprit. La discipline de l'esprit, c'est ce que j'appelle l'exercice ou l'édification. L'exercice ou l'édification. L'exercice ou l'édification. L'exercice ou l'édification. La Bible dit, les hommes matures, Hébreux 5, 14, les hommes matures ont exercé leur esprit. Exercer son esprit. Ils ont exercé leur esprit à discerner. Wow. Ils ont exercé leur esprit à distinguer le bien du mal. Ils ont exercé leur esprit à opérer dans une dimension d'excellence. Je disais que ton esprit te précède dans la dimension à laquelle tu veux aller. Ta mentalité te précède dans la dimension à laquelle tu dois aller. Et si tu n'es pas encore une dimension, mais que ton esprit a été là-bas constamment, tu vas finir par y être. OK. Parce que à la fin de toutes choses, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses physiques émanent du spirituel. Donc, si ton esprit a contracté une dimension de façon constante et perpétuelle, tu vas finir physiquement par t'y trouver. Je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous ne le savez pas. Pourquoi le diable combat beaucoup les pensées? Parce que dans le règne de l'esprit, les pensées sont des paroles. Et l'imagination, c'est un mouvement. OK. Donc, toutes les fois où tu penses, tu parles. D'accord. Et toutes les fois où tu imagines, tu te déplaces. My God. Ah. Bon, il n'y a pas assez de temps. La cabra de la face. Les supra de l'eau qui plient d'avance. Les roues fait dire qu'il y a de basse. Donc, si tes pensées te précèdent dans le règne de l'excellence, si ton imagination te précède dans le règne de l'excellence, tu seras dans le vue de l'excellence, même si tu ne le veux pas. Come on. Si ta mentalité t'a précédé dans le domaine de l'excellence, si tu te vois grand, tu te vois avec de grandes réalisations, si ton esprit se voit déjà avec de grandes réalisations, les supra adeveus, si dans ton esprit tu es déjà à un niveau extraordinaire, si dans ton esprit tu ne vois pas l'échec comme une éventualité, waouh, écoute-moi, si tu ne sais pas voir l'échec comme une éventualité, il est impossible que l'échec soit ton partage. Et il dit, les hommes matures ont exercé leur esprit. Comment par ton imagination? Comment par ton imagination?
Tu peux te promener dans les rênes de l'esprit et contracter l'expérience. Écoute-moi, la Bible dit, Dieu nous a bénis, et je reviens sur ça, de toutes sortes de bénédictions, mm-hmm. dans les lieux célestes, en Christ. Donc, l'excellence que tu recherches et dans laquelle tu peux vivre se trouve dans une chambre dans les lieux célestes. Ok. Donc, Dieu t'a déjà béni de cela. Et il a confiné cela dans les lieux célestes en Christ. Donc, ta capacité à élever ton esprit et à te balader dans les lieux célestes en Christ va déterminer combien tu vas vivre l'excellence sur la terre. Amen. Il y a une chambre dans le rêve de l'esprit en Christ qu'on appelle l'excellence. Okay. La porte de la chambre s'appelle l'excellence. Quand tu ouvres cette chambre, tu baignes dans une dimension qu'on appelle l'excellence. Mais ta capacité à entrer dans cette chambre, à nager dans cette chambre de façon continuelle et perpétuelle, ressouple à venir. Ta capacité à élever de façon constante ton esprit, par l'imagination, à rester dans la chambre de l'excellence, à y baigner, à y rester pendant longtemps, va déterminer combien tu vas vivre l'excellence sur la terre. Ça, c'est vrai. Et il dit les hommes spirituels, les hommes matures, se sont exercés. Mais Rupredi et Bahusa. Le temps me manquerait, sinon on allait pratiquer un peu. Écoute-moi, si tu as l'habitude d'élever ton esprit de façon constante dans la sphère de l'excellence, tu vas la vivre ici sur la terre. Amen. Et l'un des raccourcis que Dieu nous a donné, c'est la prière en langue. Moi, j'ai parlé de l'imagination, mais la prière en langue. Parce que quand tu pries et qu'après tu te tais, tu peux facilement imaginer. Ok. Bon, ok. Il n'y a pas assez de temps. Mais regarde, la Bible dit quand tu pries, tu élèves ton esprit. Donc quand tu pries, tu laisses ton esprit se balader. Tu laisses ton esprit à aller de façon simple, de façon libre. Explorer les lieux célestes en Christ. Parce que Christ n'est pas une personne. Christ est une dimension dans laquelle il y a plusieurs chambres. Et qu'on peut explorer simplement et facilement. Mais ta capacité à élever ton esprit va déterminer combien tu vas vivre l'excellence ici sur la terre. Et les hommes spirituels, ils ont cette faculté-là. J'ai dit l'exercice, la discipline de l'esprit. Exercer son esprit de façon continuelle et perpétuelle. Exercer son esprit. Exercer son esprit à contempler l'excellence. Et je vais chuter par là. Retour et efface. Je vais chuter par là. J'ai parlé de trois types de disciplines. On me donne combien de minutes? Moi, avec le temps, ce n'est pas facile. OK. Merci pour les 15 minutes. Est-ce qu'il peut couler les moments? Les supra a déclaré. Iske tu benisha. Rita kluve isa. Katule apradebe. Mera et des sous. J'ai parlé de trois disciplines. La discipline du corps, qui est la consécration. La discipline de ton âme, de l'âme. Ou si vous voulez du cœur, mais la discipline de l'âme, qui est ce qu'il appelle la conversion. Donc, la capacité à se laisser renouveler dans notre intelligence par la parole de Dieu. Et la Bible dit, dans Hébreux 4, verset 12, que la parole est efficace. Mm-hmm. Comme une épée à double tranchant. Elle sépare ton âme et ton esprit. Pourquoi il faut passer les ouvrages d'âge? Pourquoi il faut passer... Oh, Marathi, merci Saint-Esprit. Pourquoi il faut passer impérativement? Vous savez, les étapes que j'ai citées là, c'est progressif. Mm-hmm. C'est cyclique, mais c'est progressif. Vous savez, quand plus tu disciplines ton corps, ce sera facile de discipliner ton âme. Okay. Et plus tu disciplines ton âme, c'est facile de discipliner ton esprit. Yes. Les supra à des gaz. Parce que lorsque tu bloques ton corps, lorsque tu offres ton corps à Dieu, et que le corps n'est plus une barrière, le diable va commencer à agir dans tes pensées, mettre les mauvaises pensées. Tu as un échec, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas prospérer. Il va mettre des pensées négatives. Tu vas avoir des personnes qui arrivent à vivre dans la discipline de leur corps, mais qui sont encore dans des pensées négatives. Pourquoi? Parce que le diable est limité. La Bible dit que la parole de Dieu est efficace. Mm-hmm. Oh, quelqu'un dit la parole de Dieu est efficace. Elle est efficace. Comme une épée à double tranchant. Donc la parole vient faire quoi? Vient détacher ton âme pour que ton esprit puisse s'envoler. Ok. Les soupra à des classes. Donc la parole de Dieu vient séparer ton âme de ton esprit. Mm. Afin que là où ton esprit peut prendre l'ascendance, ton âme ne puisse pas te retirer. Ton âme ne puisse pas te restreindre. Tes émotions ne puissent pas te restreindre. Mm. Et plus tu prends les paroles positives, plus tu emmagasines la parole de Dieu qui dit que tu es un succès, tu es prédestiné à l'excellence. Plus tu emmagasines de telles paroles, les mauvaises pensées commencent à te laisser. Et lorsque tu commences à être positif dans tes pensées, waouh! Lorsque dans ton imagination, tu commences à voir de grandes choses, ton esprit se balade. Et tu commences à exercer librement ton esprit, à explorer les sphères de l'excellence. Et je vais chuter sur ce point-là. J'ai parlé de l'imagination,
J'ai parlé de l'imagination. Quand on parle de l'imagination, on parle de l'image. Donc, la capacité de regarder l'image, de fixer l'image. Okay. Et je vais vous dire ceci. Peut-être que le respect de Rolly peut... L'apôtre de Rolly peut me corriger si je me trompe. Hein. Mais la plupart des choses qu'on a perdues à cause de notre nature pécheresse, on les retrouve par ce qu'on appelle la contemplation. Okay. La plupart des choses qu'on a perdues dans notre nature pécheresse, lorsque le péché est entré dans le corps de l'homme, lorsque le péché s'est accouplé au corps et que ça donne la chair, lorsque l'homme est devenu charnel, la plupart des choses qu'on a perdues à cause de notre nature charnelle, on les retrouve parce qu'on appelle le mystère de la contemplation. Quelqu'un qui est avec moi, le mystère de la contemplation. Le mystère de la contemplation. Matthieu 6, verset 22. Le mystère de la contemplation. Le mystère de la contemplation. C'est pas facile, hein? Pas facile de parler et puis le temps est passé. Matthieu 6, verset 22. Matthieu 6, verset 22. Je termine sur ça, ne vous inquiétez pas. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Voici. Il dit si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Ça veut dire que tout ton corps est rempli de Dieu en fait. Parce que l'œil est la lumière. Calabra soufane. Bon, ok, je referme la parenthèse. L'œil est la lumière du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera rempli de Dieu. Okay. Bon, bref, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Donc, ta capacité à être illuminé, à être éclairé, dépend de l'état de ton œil. Dépend de ce à quoi tu exposes tes yeux. My God. Il dit, si vous le contemplez, comme dans un miroir, si vous fixez vos regards dans votre imagination, si vous voyez constamment Jésus qui est excellent, vous serez vous aussi transformé à la même image de l'excellence. Si vous arrivez à voir ce Dieu qui est parfait, vous serez aussi de façon simple, vous serez en train de tendre vers la perfection. Okay. Le moyen par lequel Dieu nous restaure notre nature divine, cette composante de la divinité qu'on appelle l'excellence, il nous restaure cela par la contemplation. Ta capacité à fixer la personne de Jésus. Ta capacité à fixer ce Dieu qui est excellent. Ta capacité à prendre tes yeux et à les mettre constamment sur la personne de Jésus. Les soupras adivas. J'ai dit toutes les choses qu'on a perdues à cause du péché, on les retrouve si on sait contempler. Quelqu'un dit avec moi la contemplation. La contemplation. Il dit... Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient le Père, votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Donc Dieu veut que notre lumière luise. Il veut que notre lumière luise pour que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils lui rendent la gloire. C'est ce que je disais au début. Dieu veut qu'on vive de l'excellence. Dieu veut qu'on ressente l'esprit de l'excellence. Et que lorsque les gens vont voir cette excellence-là en nous, ils vont rendre gloire à Dieu. Il le veut. Mais comment est-ce qu'on s'illumine? Il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la voix de l'Éternel se lève sur toi. J'aime ce passage. Dans d'autres versions, on dit, lève-toi, sois illuminé. Quelqu'un dit avec moi illumination. Illumination. Lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire que tu vas recevoir la lumière de quelque part. Ok. Et j'aime quand la Bible répond aux questions qu'on se pose. Lève-toi, sois illuminé car ta lumière arrive. Comment est-ce qu'on entre dans l'illumination? Comment est-ce qu'on arrive à être éclairé par la parole de Dieu? J'ai dit par la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on arrive à être éclairé? Comment est-ce qu'on arrive à être éclairé et vivre dans la gloire de Dieu? C'est par la parole de Dieu, évidemment. Yes. Psaume 119, verset 130, il dit la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Écoutez très bien, ce n'est pas la parole qui est claire, c'est la révélation des paroles. Come on. La capacité à voir Jésus derrière la parole. C'est ça qui est clair. Il dit, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Et c'est ça. Le secret pour vivre dans l'excellence de façon continuelle et perpétuelle, c'est la capacité à fixer ses regards sur le Jésus. Le Jésus qui est révélé derrière la Bible. Le Jésus qui est caché derrière la Bible. La capacité à voir le Jésus qu'on veut nous présenter derrière les lettres qui sont écrites. Ta capacité à contempler ce Dieu qui est derrière ces mots qui sont écrits. Ta capacité à faire ressortir Jésus
Derrière même la nature qui t'entoure. Okay. Parce qu'il dit, la nature ne vous entend-elle pas. La révélation de la parole de Dieu. Ta capacité à fixer tes regards sur Jésus. Ta capacité à contempler de façon perpétuelle le Christ, le Dieu excellent. Lève-toi, sois illuminé. Lève-toi, reçois l'illumination, reçois l'éclairage de Dieu. En fait, expose-toi constamment à la lumière. Si tu veux toi-même devenir lumière, et si tu veux, comme Daniel, on trouvait en lui des lumières. D'où provenait ces lumières? Il avait une discipline. Il exposait constamment ses yeux à contempler le roi de gloire, à contempler le Jésus de la Bible. Il exposait constamment ses yeux. Il les fixait constamment sur Dieu. Même quand on disait, mais il y a un décret pour tuer les magiciens et tout, et tout, et tout. La Bible dit, comme d'habitude, il partait contempler. Comme d'habitude, trois fois le jour, il se mettait devant Dieu et il le regardait. Il le contemplait. Il admirait. Il regardait le Dieu excellent. Il regardait le Dieu esprit. On n'a jamais vu quelqu'un comme ça. On disait, on trouvait en lui l'esprit de Dieu. Parce qu'il avait l'habitude de contempler Dieu. Ta capacité à mettre tes yeux dans la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Il dit aussi que ces instructions ne se loin point de tes yeux. Vous savez, il y a trois niveaux d'interaction avec la parole de Dieu. Le premier niveau, c'est que la parole ne doit pas se loin de nos yeux. Parce que l'œil est la lumière du corps. Et plus tu entres, tu laisses entrer la lumière, plus tu deviens aliment de ce que tu regardes. Je vais vous dire la vérité. La plupart des choses qu'on est, proviennent des choses qu'on a vues. La plupart des choses de ce que tu deviens dépend de ce à quoi tu t'es exposé. La loi de l'exposition. Ce que tu es, est ce que tu as longtemps contemplé. Ce que tu deviens dépend de ce à quoi tu t'es longtemps exposé. C'est pourquoi lorsque tu aimes prendre le temps d'être dans un tel moment, prier le Seigneur à l'école de l'esprit, passer du temps à écouter la bonne parole de Dieu, plus tu le fais, plus tu le fais, plus tu le fais, tu commences automatiquement à être transformé. Ce à quoi tu t'exposes, ce à quoi tu exposes tes yeux, ce à quoi tu exposes tes oreilles, ce à quoi tu exposes ton corps, ce à quoi ton corps, ton âme et ton esprit prennent plaisir de façon constante et perpétuelle. Mais il est possible, les amis, de vivre dans l'excellence si on sait contempler, si on sait décider de plonger les regards sur le Seigneur Jésus. Et j'aime la prière de David. Dans le psaume 119, il dit, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. Il y a des choses cachées derrière la parole. Il y a des choses cachées derrière la parole, des choses excellentes. Vous n'imaginez pas. Il dit, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Waouh, ce soir, c'est ma prière pour toi ce soir. Amen. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur afin que tu puisses contempler le Christ qui est caché derrière la parole de Dieu. Amen. Et qu'en le contemplant, tu deviens exactement comme Dieu, comme lui, et que tu vives dans l'esprit de l'excellence au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut prier quelques minutes? Les supra adéclas. Brado les cités.